Слава Ніля, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. На сон.

Salut, une bande. Ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi, tu le sais. Alors là, on vient entendre l'hymne ukrainien. Là, je te présente une photo de Minsk, parce qu'on va parler de Minsk. On va pas parler que de ça, mais on va, on va voir ce qu'étaient qu les, les accords de Minsk, ce qu'est le protocole de Minsk, et ce qu'est l'accord de Minsk, parce que ce sont trois documents différents. Et puis là, on va tout de suite enchaîner avec... La presque fin de l'histoire, on sait qu'elle n'est pas elle n'est pas finie, cette histoire, pour l'Ukraine, mais euh, je vais te passer un enregistrement d'un échange entre Macron et Poutine, qui a eu lieu euh, cinq jours avant le, le début du conflit, cinq jours avant que la Russie euh, rentre en Ukraine. Voilà, ça va être euh, intéressant d'entendre ça pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. La chaîne risque évidemment de se faire striker puisque je fauche des trucs à, à France 2, je crois, hein, ou France TV, enfin je sais plus qui c'est qui avait publié ça. Et bah tant pis, hein, si je fais striker, euh, tant pis, allez, on enchaîne avec euh, la fameuse vidéo. Voilà, je ne sais pas si la qualité du son est, passera bien, on verra, au montage. Euh, mais au moins ça pose euh, ça pose bien l'histoire. On voit toute la difficulté qu'il y a dans ce conflit. Et en, en tout cas, pour ma part, j'ai du mal à, à, à comprendre les tenants et les aboutissants. Euh, et je me refuse de dire euh, je, je suis pro-ukrainien, pro-russe. Parce que ben voilà, il y, y a tellement d'informations contradictoires que c'est très difficile de, de se faire une idée. Alors du coup, peut-être que pour bien comprendre ce qui se passe, ben, déjà on va dire pourquoi il euh, y a eu euh, les fameux accords de Minsk en 1991. Ben, simplement parce que euh, l'URSS s'est terminée. L'Union des républiques so euh, socialistes-soviétiques ou soviétiques-socialistes, je ne sais plus dans quel ordre ça se dit, bah c'est terminé, c'est la fin de cette histoire. Qu'avait créé, euh, je crois, Staline ou, ou, ou Lénine en 1922, euh, bah, tout s'écroule. On verra les raisons pour lesquelles ça s'est écroulé. Mais voilà, donc c'est donc, euh, la raison de ces accords et on va créer la, la CEI le comité des États indépendants, qui en réalité euh, va regrouper euh, beaucoup d'anciennes de, de, républiques euh, liées à l'URSS, sauf euh, trois ou quatre. Je dis trois ou quatre parce qu'il y a les trois républiques baltes, euh, l'Estonie, la Lituanie et, euh, et la Lettonie qui, elles, demanderont leur entrée euh, dans la communauté économique européenne. Et puis, il y a la Géorgie aussi, qui, euh, qui déclare son indépendance en 91 au moment de la signature de, des accords de Minsk. Euh, il y a une petite singularité avec la Géorgie, c'est qu'elle n'a pas su euh, se débrouiller toute seule, en fait. Euh, elle n'a pas su mettre en place une économie, elle n'a pas su euh, alors qu'elle sait qu'il y a des richesses en Géorgie. Et du coup, euh, le, le président russe, alors je ne sais plus qui c'était, est-ce que c'était toujours Eltsine -El 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 en 1995? Euh, je sais pas. Peut-être que c'était euh, encore Eltsine a tout fait pour que la Géorgie revienne dans le giron de, de la CEI et ben, donc comme ils étaient au, au plus mal économiquement ben, ils n'ont plus qu'accepter. en tout cas le, comme l'Union le, 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 européenne ne les aurait pas acceptés au vu l'état de, de, de l'économie ben, la Russie a, a forcé les a forcé un petit peu à, à rejoindre le camp de l'est voilà, donc ça, c'est euh, la raison officielle de, de, de la création de la CEI. Et par conséquent, il fallait que les républiques qui faisaient partie de, de l'URSS ben, retrouvent une identité et, et un protocole d'accord. Alors il y, y a des accords économiques qui sont signés, il y a des accords euh, probablement militaires, il y a, y a des accords de libre circulation des populations. Pour les républiques qui se fédèrent à la CEI. Euh, on oublie par contre euh, de parler des frontières, et, et ça sera, euh, ça sera un, un fil rouge tout au long des, des accords des différents accords que, qui ont été signés euh, à Minsk. Euh, on ne parle pas vraiment des frontières. En tout cas, ce n'est pas assez étudié, c'est pas assez précisé. Mais mais mais, mais, mais c'est pas suffisant pour expliquer euh, pourquoi l'Ukraine est, est mêlée à ça. Alors les accords de Minsk, au dé, euh, en, en décembre 1991, il y a trois pays simplement. Il y a la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. Euh, et ensuite viennent, comme je le disais, se fédérer les, euh, une quinzaine de, de, de républiques, d'anciennes républiques soviétiques, et seuls... Trois, les, les trois Baltes qui rejoignent le camp, le camp de l'Union européenne. Alors on va voir là euh, quelle est la particularité de l'Ukraine. Et ça c'est vachement important. Alors on, on, on a eu quelques émissions euh, ou, ou quelques contenus YouTube qui nous ont donné des informations. Enfin là j'ai trouvé un paragraphe euh, euh, sur Hérodote. Et, et euh, je trouve que c'est, alors je ne sais pas si c'est très juste, mais en tout cas, c'est suffisamment bien ramassé pour que je puisse en faire une petite lecture rapide. Alors, il se trouve que c'est en Ukraine, autour de Kiev, qu'est né au IXe siècle un premier État russe. Au IXe siècle. Voilà. La, le, ce, ce qui va devenir la Grande Russie, en tout cas, un de ces euh, un de ces territoires, bah, ça va naître dans la région de Kiev. C'est dû euh, à, à, au, au Vareg, C'était les Scandinaves qui envahissaient tout le monde. Euh, c'est sous euh, c'est sous le règne du prince Vladimir qui euh, qui par la même occasion euh, Convertira au christianisme, enfin le rite byzantin du christianisme. L'une de ses descendantes, Anne de Kiev, ou Anne de Russie, elle avait les deux noms, est devenue reine de France en épousant le roi capétien Henri Ier. Donc on, on voit bien que c'est ça remonte loin, hein, ces histoires-là. Le IXe siècle, c est, c est, c est pas, c ça n'a plus rien à voir avec 1922, la création de l'URSS. Ou euh, 1991, euh, le remplacement de l'URSS par la CEU. Donc c'est une vieille, vieille, vieille histoire. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé euh, Parce que le, le pays était riche. Hein, il y avait une grosse euh, une paysannerie prospère, beaucoup de d'échanges de, de, de marchandises. Euh, il y avait le port au sud. Donc c'est euh, probablement des des, des échanges euh, maritimes aussi. Et puis en 1240 ça a été ruiné, le pays a été euh, dévasté. On verra qu'il mettra, ben, il, il mettra très 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 longtemps à se renaître. Alors il a été dévasté parce qu'il a subi une autre invasion. Euh, là ça venait plutôt de l'est, c'était les Mongols et qui sont, euh, qui, qui ont, ben, qui ont occupé les terres. Les paysans ukrainiens sont sont devenus des serfs. Euh, et puis euh, on dit là dans cet article, que la région ne s'est jamais complètement remise de cette catastrophe. En 1667, l'Ukraine est partagée entre la Pologne et la Russie, parce que ça bouge un peu des deux côtés, et euh, c'est le traité d'Andrusovo, Andrusovo qui euh, qui décide de ça. Euh, la partie orientale de l'Ukraine devient l'État autonome des, des Cosaques. On voit euh, des chevaliers cosaques dans la vidéo euh, que j'ai passée au début avec l'hymne euh, de l'Ukraine. Euh, cette partie orientale, donc on va dire l'équivalent du Donbass, probablement, peut-être de la Crimée aussi, euh, est sous le, le protectorat des Tsars. À la fin du XVIIIe siècle, donc là on était euh, au XVIIe, à la fin du XVIIIe siècle, le partage de la Pologne fit tomber sous domination autrichienne, évidemment, euh, parce que ça bouge beaucoup euh, un petit peu plus à l'ouest. Euh, et, et du coup, euh, une vaste partie de l'Ukraine reviendra à l'Autriche. En 1920, donc je le disais, c'est l'Union soviétique. Et ça s'est pas passé, ça pas passé aussi, euh, aussi simplement. Euh, il y a eu une invasion de la Russie. Des millions d'Ukrainiens sont morts euh, parce que la Russie a organisé des, des famines, des familles immenses. On, on, on a parlé des grandes famines entre 1920 et 1930. C'était vraiment planifié par le régime soviétique, peut-être pour au mieux tordre le bras à l'Ukraine. Et, et puis, bon ben là, on est en 1930, et puis euh, ben, dix ans après. Euh, ils n'ont pas fini avec leur, leur malheur, les Ukrainiens. Il y a euh, évidemment le, le Hitler et son régime nazi qui, euh, qui vont occuper aussi euh, de façon très dure l'Ukraine entre 41 et 45. Voilà. Donc en 91, le, les, le, 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 les fameux accords de Minsk, euh, l'Ukraine déclare immédiatement son indépendance et puis elle adhère à la CEI dans la foulée. Alors, il y a beaucoup de, 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 de Russes euh, en, en Ukraine, essentiellement dans sa partie orientale. La grande péninsule de la mer Noire, rattachée à l'Ukraine en 1954, donc euh, 50 ans, on va dire, avant l'adhésion la, à la CEI. Euh, donc, cette grande partie, c'est Khrouchtchev qui le décide. A été réannexé unilatéralement par la Russie 60 ans plus tard. Bon. Euh, donc on, on, on voit que il y a, y a quelque chose de particulier avec l'Ukraine et, et on l'explique parce que les Russes savent très bien que l'Ukraine est le berceau de leur civilisation. Ils n'ont jamais oublié que la, la, le premier État russe, ça a été autour de Kiev. Et cet attachement-là. Eh bien, il, il va aussi bien euh, entre le, le c'est l'amour et la haine, quoi, en fait. Voilà, voilà, euh, ce point-là, il me semblait important pour raconter euh, euh, d'où vient l'Ukraine, ce qu'a subi l'Ukraine au cours euh, au cours des siècles et pourquoi la Russie euh, est tellement attachée à, à ce pays. Alors là, j'ai trouvé deux articles du, du site en ligne qui s'appelle Géo. Euh, euh, le premier article est de Marine Janin et qui euh, rapporte les, qui s'appuie sur les travaux de Julie Deschaper, qui est euh, une conseillère scientifique. Je pense qu'elle doit être historienne, puisqu'elle travaille à l'Institut de Florence et euh, elle est professeure associée à l'Université de Bologne. Alors euh, Julie Deschaper explique en, en en quatre raisons la, la, la chute de l'URSS. Alors elle parle d'abord d'une crise du socialisme. Déjà en préambule, elle dit que certains historiens ou certains économistes ou certains opposants, peut-être aussi, disaient que la fin de l'URSS était déjà inscrite dans ses fondations. Euh, donc une vision très pessimiste du, du communisme. Euh, mais elle y rajoute donc une, une crise du socialisme réel. Euh, on ne sait toujours pas quand est-ce qu été créé réellement l'URSS. Les historiens ont, ont du mal à dater ça. Ben moi j'ai lu 1922. Euh, dans la plupart des cas, mais en réalité j'ai vu aussi euh, 1920 comme date de référence, donc c'est peut-être à une ou deux années près que, que les historiens se, se cherchent les poux dans la tête. Euh, elle, elle parle aussi de que dès la fin des années 70, et euh, de façon encore plus évidente dans les années 80, on sentait que les fondements idéologiques de l'Union soviétique commençaient déjà à s'effriter, jusqu'à ce que les hautes sphères de l'État, on commence, on commence alors à douter de l'avènement du futur Parti communiste, déjà fin 80, euh, de sa réalisabilité en tant que projet politique, dont la finalité, schématiquement, serait la suppression universelle de la propriété privée. Bravo, bravo les communistes, j'applaudis les deux mains. Voilà, ça c'était le but final, mais euh, on, il semblerait que euh, ben, tout ça, ça ça batte un peu de l'aile. Alors on n'a pas les raisons euh, sociologiques. Est-ce que c'est parce que euh, ben, le, le problème c'est qu'il y avait beaucoup de corruption aussi. Tout, tout ces, ce pouvoir centralisé aux mains de essentiellement des militaires, mais aussi d'apparatchiks euh, qui, euh, qui sont probablement des paysans, qui sont des, des mencheviques, qui se sont enrichis. Euh, pour, euh, atteindre jusque les sphères du pouvoir ben après il n'y a plus tellement envie de, de supprimer la propriété privée quoi. il y avait tout cette propriétaire là-dedans euh... jusque là les régimes socialistes mis en place en URSS étaient en effet présentés comme une simple étape vers ce communisme universel mais dit-elle dit Julie euh, Deschépère, progressivement le discours sur l'accomplissement du communisme évolue la promesse de son, de son avènement imminent disparaît presque du discours politique qui se concentre dès lors sur les problèmes du présent et le socialisme, perdant de vue son objectif, entre en crise. Donc premier point, c'est une crise du socialisme. Elle parle ensuite d'une crise des nationalités. Et oui, parce que l'URSS est un patchwork de, 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 de peuplades. À cette crise politique s'ajoute dans le courant des années 1980 une crise économique et une crise de la question nationale en URSS. Nation morcelée, s'il en est, une crise qui s'étendait comme une traîne de poudre dans les républiques du Caucase, ça bouge dans ces années-là, dans les années 80. Euh, la Géorgie en 78, l'Arménie en 88, les régions euh, euh, en Arménie, c'était des régions autonomes euh, du Haut-Karabakh, euh, l'Azerbaïdjan en 1990. Donc voilà, sur toute une décennie. On voit que les républiques bougent. Il y a aussi la Tchétchénie qui réclame son indépendance. Et on s'approche donc petit à petit de ce fameux mois de décembre 91 où Eltsine proclame la fin de, de l'URSS. Avec ces conflits qui se multiplient aux marges de l'URSS, se multiplient aussi les réflexions sur la pertinence des frontières. Toutes ces nations ont été créées pour correspondre à des modèles préétablis. Or, l'URSS était une nation multi-ethnique. Cette situation a fatalement engendré des conflits difficilement gérables. » Alors voilà, euh, ils commence à réfléchir, euh, là on est dans les années 80-90, hein, Ils commence à peine à réfléchir aux notions de frontières. Et en, et en réalité, ils n'apporteront pas de réponse, ils ne font qu'y réfléchir. Donc ça c'est la crise, deuxième point, crise de nationalité. Troisième point... Tchernobyl, Tchernobyl a été marquant aussi. Euh, la catastrophe du, du 26 avril 86. Cet incident, dit-elle, jette une lumière crue sur l'incurie du système soviétique, dont les faiblesses scientifiques et sécuritaires sont pointées du doigt. Plus profondément, il engage une remise en question de l'efficacité de l'État à s'occuper de la nature, laquelle est un thème central dans la doxa soviétique. Puisque censé être le, refl le reflet de l'harmonie des peuples. Eh oui et, euh, Tchernobyl, ça a été euh, non seulement une catastrophe humaine, une catastrophe technologique, mais une catastrophe écologique, on le sait, et on en paye encore euh, 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 les, les, les retentissements euh, aujourd'hui. Donc c'est euh, aussi, euh, j'imagine que pour euh, un grand peuple comme ça qui était fier de ses de, de euh, scientifiques, ben c'est euh, c'est une vraie gifle quoi qu'ils se prennent. Donc voilà la catastrophe nucléaire, Tchernobyl est un des points aussi euh, qui, qui, qui ont amené à la fin de l'URSS. Et puis elle termine par euh, Gorbatchev. Je, je je le détaillerai euh, un petit peu plus. Euh... Ouais, je vais faire un point un, un point sur Gorbatchev euh, plus précisément. Alors pourquoi est-ce important de se pencher sur Gorbatchev ben, Gorbatchev, c'est euh, un parcours très classique euh, en Union soviétique, euh, c'est une famille très modeste, et il monte les échelons euh, au fur et à mesure au sein même du parti. Euh, je, je vais passer... Euh, euh, il adhère en, en 1952 au Parti communiste, il a 21 ans, et, et euh, au Parti communiste de l'Union soviétique. Et, euh, et ensuite, il monte les échelons peu, petit à petit comme ça, jusqu'à en, euh, en 1985, il devient secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. C'est-à-dire que c'est le Parti communiste qui chapeaute tous, de, 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 tous les partis communistes de chacune des républiques. Euh, donc c'est le, le poste suprême, en fait. En réalité, euh, on sait qu'il y a... Il, il fait partie du Kremlin, évidemment. Euh, il y a la Douma. La Douma, c'est la chambre des, 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 des parlementaires. Mais euh, toutes les décisions se prennent au sein du parti. Et euh, qui, mieux, qui est mieux placé que le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique Donc, il avait euh, les pleins pouvoirs à ce moment-là, lorsqu'il est, il est nommé. Mais on est en 1985. Euh, on le sait. Hein, il va y avoir Tchernobyl. Il y, il y a tous les problèmes dont a parlé euh, le journaliste tout, euh, juste avant. Euh, et, et donc, c'est c'est pas, pas facile. Alors, il arrive avec des idées nouvelles. Euh, il se dit que ce régime-là est en train de s'effondrer, mais lui, il veut pas la mort de ce régime. Hein. Il, euh, il rêve toujours de, de communisme, évidemment, mais il se dit que, euh, euh, en apportant deux éléments euh, sur lesquels il compte travailler, on connaît les deux, hein, c'est la peretroïska qui veut dire restructuration. Et euh, la glasnost, qui veut dire la transparence, alors la transparence, parce qu'il y a énormément de corruption dans ce pays, euh, il se dit qu'en en, en, en nettoyant toute cette corruption, il, il reviendrait peut-être sur des bases plus saines que, que prônent le, le, le parti communiste et, et le socialisme. Euh, mais bon, le système est à bout de souffle de souffle et euh, économiquement ça devient très dur. Tchernobyl, c'est une vraie claque, hein, je le disais. Et et, euh, et puis et puis et puis euh, et puis on voit bien toutes ces républiques qui, euh, qui commencent à bouger. Il y a des conflits à cause des, 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 des différences de religions, euh, euh, probablement à cause de frontières puisque rien n'a été euh, rien n'a été prévu euh, à ce sujet. Euh, et 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 le fait que comme économiquement ça n'avance pas il ben, y a, y a l'appel de l'Ouest, l'appel de l'Europe, hein, de, de ce sont les pays européens, et ils ont comme exemple l'Union Européenne qui, malgré ses difficultés, arrive à, à mettre en place quelque chose de plutôt solide, basé sur une économie libérale, c'est vrai, capitaliste, malheureusement, mais ça semble tenir la route, et c'est évidemment le l'opposé le, économique de, du système communiste. Donc, Gorbatchev est là, alors est-ce ne sais pas, c'est un grand homme d'État, Gorbatchev. Euh, en tout cas, c'est l'homme de, de, de la fin de, de, de ce régime. Euh, en 91, en 91, il est, euh, il est en vacances. Il est en vacances en Crimée, dans une dacha euh, imagine du parti, que le parti lui met à disposition. Et, euh, et, et, et les blindés rentrent dans Moscou. Alors les blindés, c'est qui bah c'est euh, son bras droit. Enfin c'est le vice président de la Russie. C'est le bras droit d'Elsin en réalité, euh, qui s'appelle euh, Gennady Lanayev et qui euh, qui arrive à, avec euh, quelques régiments. À, à à mener de, de, des colonnes de chars euh, vers le Kremlin et puis il y a un héros un héros qui sort euh, qui sort de, de, de du lot il s'appelle Boris Etevlin alors c'est pas un inconnu lui il est euh, président de la fédération euh, de Russie euh, donc c'est un, un des chefs euh, du, du euh, un, un des grands tenants de, du parti communiste mais euh, lui, c'est la Russie, alors que Gorbachev, c'est l'Union soviétique, c'est toutes les républiques. Et Eltsine, euh, bah pareil, il rentre dans un char et il se place devant le, le Kremlin pour le protéger. Et il harangue la foule. Il, a, il arrive à avoir très vite 50 000 mosco moscovites autour de lui. Euh, il arrive à convaincre des députés. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Sachant qu'il y avait un coup d'État euh, qui avait commencé déjà, hein, puisque la télé... Euh, euh, la, la télé avait été déjà prise. Euh, enfin, euh, beaucoup de euh, beaucoup de casernes euh, étaient prêtes à suivre euh, euh, la naïf. Et ben, Eltsine, malgré tout, il, il demande aux députés qui sont euh, pour le maintien de, de ce système, euh, il leur dit si vous êtes d'accord avec moi, allez convaincre les les chefs de garnison, allez convaincre les, les commandants qui sont qui sont pas encore sortis des casernes. C'est ce que font les députés. Euh, ils partent, euh, chacun dans, son, dans leur coin, pour aller euh, pour aller voir les, les, les régiments qui n'ont pas encore, euh, qui ont pas encore de pris de décision. Et finalement, ça marche. Et Eltsine, euh, ben, il, gagne, il gagne la partie. Euh, et il n'y a toujours pas de Gorbatchev. Gorbatchev est, est toujours en, en vacances. Alors... Euh, euh, la, la naïf euh, euh, par une, une allocution une euh, euh, allocution à la radio euh, russe en, en disant que Gorbatchev est malade qu'il est euh, il a l'article de la mort en réalité non il est juste en il, il, il est fatigué parce que ce, ce, ce poste qu'il occupe il ne sait pas comment le prendre en réalité donc il y a une fatigue parce qu'il s'en sort pas mais il est, il est surtout parti en vacances pour, pour se reposer un petit peu, mais il n'est pas du tout malade. El signe euh, lui, lui envoie l'injonction de venir sur Moscou. Euh, je pense qu'il le fait euh, il va le il, 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 il envoie des gens pour le récupérer. Et donc du coup, euh, gorbachev arrive au Kremlin et euh, très vite, début décembre, je crois, il, il remettra sa démission. Parce que bah, parce qu'il est, est plus écouté, parce que il, tous les gens autour de lui euh, ont pris le parti d'Eltsin et euh, bah, il est seul, il est inefficace et il s'aperçoit euh, qu'il ne pourra rien faire. Le, le, lui ne peut rien faire pour pour l'URSS et il pense que personne ne pourra rien faire pour l'URSS. ce en quoi Eltsin est assez d'accord puisque fin décembre il réunit euh, le président. Euh, de, de, de la République soviétique ukrainienne, le président de la République biélorusse, pour aller signer euh, les fameux accords de Minsk. Alors voilà, là, on va parler de, de l'accord de Minsk. Alors le premier s'appelle l'accord de Minsk, le deuxième s'appelle le protocole de Minsk ou les accords de Minsk, et le troisième s'appelle... Euh, euh, Minsk 2. Voilà. Euh, au, au moins, on, on, dé, on déblait un peu le, le, les appellations. Alors, euh, Minsk, c'est où C'est bah en Biélorussie. Voilà, je, je, voulais, euh, je vais vous le pointer sur la carte. Donc, c'est en Biélorussie, c'est ici. Euh, on a Moscou euh, au nord-est et on a plein sud de Kiev. Donc la Biélorussie, la Russie, l'Ukraine et en réalité on parle de l'accord de Minsk mais ça s'est passé ici, là, en forêt de alors je vais je vais l'écorcher de Bélovéja ouais, Be Belove peut être, euh, ce qui est une forêt qui se trouve ici, à cheval sur la frontière euh, entre la Pologne et la Biélorussie. Et donc c'est côté, côté biélorusse que ça a été signé. Donc c'est dans une de ces deux parties-là. Euh, Eltsine, après avoir euh, pris une note de la démission de Gorbatchev, bah c'est l'homme euh, du pouvoir. Il devient le, de fait le, le, le grand décideur. Et il déclare, il déclare euh, la mort de l'URSS. Et il va signer donc à Minsk le fameux accord de Minsk, qui est la création de la Cei, le Comité des États Indépendants. Alors là où encore il y a une petite, une petite embrouille, et on verra que tous ces accords ce sont des accords remplis de désaccords, puisque puisque elle signe au nom de du parti en fait du Kremlin du coup puisqu'il prend la tête de, de, de la Russie euh, mais la constitution euh, la nouvelle constitution de, de, de l'URSS qui avait été euh, signée en 1978 ne permet pas au Kremlin de signer ce type de document c'est à la Douma c'est au Parlement de, de, de signer euh, ce type d'accord et donc du coup Encine va signer un document sans autorisation donc, sans valeur. Pour la petite histoire, euh, je vais le placer là parce que j'aurais dû l'oublier. Euh, là, ces dernières années, le, le président euh, biélorusse, dont euh, je suis incapable de, de me souvenir du nom, a voulu écrire euh, un livre, un livre d'histoire. Évidemment, il voulait relater euh, euh, de, de la signature de l'accord de Minsk de 91 et puis euh, des deux autres euh, deux autres accords qui ont été signés en, en 2014 et en 2015. Et euh, lorsqu'ils ont créé la CEI, les instances de la CEI, donc le bâtiment officiel, se trouvaient sur Minsk. Et donc lorsqu'il est allé aux archives, là, hein, récemment, euh, eh bien le document original de, de l'accord de Minsk avait disparu. Il n'existe plus ce document. Alors probablement que les Ukrainiens. On a une copie, puisqu'ils ont été signataires. Mais les Ukrainiens, vu l'état qu'il y a, l'embrouille qu'il y a avec la Russie, ben, ils sont pas prêts de le ressortir, à mon avis. Et puis, côté russe, ils doivent aussi avoir une copie. Mais étant donné que la Douma n'a jamais reconnu ce document, il n'a aucune valeur. Alors, en réalité, on a créé la CEI sur un document contesté par la Douma. Euh, Aujourd'hui contesté par Kiev et qui n'existe pas physiquement. Il n'y a plus de ce document, on n'arrive plus à mettre la main dessus. Voilà, ça c'était pour la, la petite histoire. Et puis on, on va arriver gentiment en 2014 et en 2015. Alors pour cette partie, je vais pas trop m'embêter. On va utiliser Wikipédia, mais bon, ce sont des éléments assez près dans notre tête puisque. Euh, c'est beaucoup plus récent 2014 et 2015 donc là on a le fameux protocole de Minsk qui s'appelle Minsk 1 qui a été signé le 5 septembre 2014 par les représentants de l'Ukraine les représentants de la Russie et les représentants des insurgés des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Longans et euh... Parce qu'il y a un conflit euh, qui n'arrête pas, quoi. Le, le, les républiques autoproclamées sont en guerre officielle contre euh, l'armée régulière ukrainienne, et, et donc il faut mettre fin à, à ces combats qui sont euh, qui sont graves. Euh, Eltsine faisait allusion au tout début dans, dans l'échange qu'il a avec euh, avec euh, Macron. Il dit que il y a eu des, des populations de, des, des, euh, des républiques euh, séparatistes qui ont été brûlées vives. Alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas, c'est peut-être euh, du cinéma, mais enfin il y a eu quand même des dégâts. Ça on l'avait su par des journalistes qui étaient sur place en 2014 et, et avant, hein, hein, puisque c'est un conflit euh, euh, qui n'était pas que larvé, hein, il était officiel en réalité. Et, et euh, donc on avait appris hein, que par des reportages que ça se passait. Très, très mal et que il y avait des églations de, de euh, gravissimes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y, y a ces quatre représentants, mais il y a aussi euh, des représentants de l'OSCE. L'OSCE, c'est un organisme qui avait été créé spécifiquement pour s'occuper de la sécurité des frontières en Europe. Donc, euh, toute l'Europe. Et il était important qu'on qu parle, qu'on mette enfin un organisme de, de cette importance. Mélenchon en parle de cet organisme, l'OSCE, justement à propos de, du conflit russo-ukrainien. Et il dit qu'il faut à tout prix que l'OSCE, qui est là pour ça, fasse son boulot pour déterminer les frontières, étudier les textes, voir ce que disent les lois et voir ce que disent de tous les, les accords qui ont été signés, et éventuellement signer un, un, un nouvel accord euh, pour, pour, pour régler ce problème de façon euh, euh, non belliqueuse, quoi, Par la diplomatie. Euh, alors, il y a euh, l'accord qui fait suite à plusieurs tentatives de faire cesser les combats, ça n'a pas marché, hein, euh, et, et euh, cet accord réclame un, un cessez-le-feu immédiat et ça échoue parce que personne ne respecte cessez le cessez-le-feu. Donc on va bien, ça va durer encore un, un an ce truc-là, mais on, on, on va voir ce qui avait été dit euh, dans ce protocole, je vais passer un petit peu. Il y a 12 points et euh, vous vous souvenez que dans l'échange dans entre, entre euh, Macron et Poutine, euh, Poutine fait référence à au paragraphe 9, au paragraphe 11, ou au paragraphe 12. Alors, je pense qu'il parle de, de Minsk 1, pas de Minsk 2. Non, on, on verra ce que, ce que dit Minsk 2. Peut-être qu'ils ont repris à peu près les mêmes choses. Alors, il y avait quoi Il y avait assurer le cessez-le-feu bilatéral et de façon immédiate. Assurer la surveillance et la vérification du cessez-le-feu par l'OSCE. Organiser une décentralisation des pouvoirs par la mise en application d'une loi ukrainienne. Loi sur le statut particulier, accordant de manière temporaire l'autonomie locale dans les oblasts de Donetsk et de Lugansk. Assurer une surveillance permanente de la frontière russo-ukrainienne par l'OSCE et assurer une zone de sécurité à cette même frontière. Cinquième point, libérer immédiatement tous les otages et les personnes retenues illégalement. Six, adopter une loi ukrainienne visant à interdire les poursuites et les sanctions contre toutes les personnes impliquées dans la guerre du Donbass. 7. Poursuivre un dialogue national entre les partis. 8. Mettre en œuvre des mesures afin d'améliorer la situation humanitaire dans le Donbass. 9. Procéder à des élections anticipées dans les oblastes et de Donetsk et de Lugansk. 10. Procéder au retrait du territoire, des territoires ukrainiens des formations armées et du matériel militaire illicite, ainsi que des combattants irréguliers et des mercenaires. 11 mettre en place un programme économique pour favoriser la reprise des activités de l'économie activité locale dans le Gambas. 12. Assurer la protection personnelle des participants aux en aux consultation. Euh, voilà, donc les points 9, 11 et 12 pour Poutine euh, euh, étaient mal rédigés. En réalité, la Russie signe cet accord, mais euh, tout en n'étant pas d'accord. C'est dingue, hein C'est vraiment... Minsk, c'est un ensemble de protocoles signés pour obtenir un accord, mais où il n'y avait que des désaccords, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et donc là, la Russie se sent lésée. Et, et on voit bien, hein, à part euh, euh, se faire surveiller sa frontière. À part, euh, on parle de, mat de matériel militaire illicite. Ben évidemment, c'était le matériel fourni par les Russes aux, aux républiques autonomistes. Euh, donc, c'est vrai que les, les Russes, dans, 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 cette, dans ce protocole-là, ben, ils, euh, ils sont au second plan. Et euh, malgré tout, ils signent, ils signent le, le protocole. Mais on, on voit très bien que, que ça, ça, ça ne donne rien du tout. Euh, Qu'est-ce qu'il rajoute aussi euh, Parmi les mesures convenues à la paix, figure notamment la suppression de toutes les armes lourdes dans une zone de, de 15 km derrière la ligne de contact pour chaque partie du conflit, afin de créer une zone démilitarisée de 30 km de tout euh, une sorte de No Man's Land. Interdiction d'opérations offensives, interdiction des vols d'avions de combat au-dessus de la zone de sécurité. Ça, ça donnera des idées à Poutine euh, euh, plus tard, hein, en février euh, 2022. Euh, Retrait de tous les mercenaires étrangers de la zone de conflit, mise en place d'une mission de l'OSCE pour surveiller la mise en œuvre du protocole de Minsk. Voilà. Mais bon, on sait très bien que c'est parti en cacahuète très 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 vite. Et que immédiatement, les combats ont repris et ça a continué à, à se tirer sur la gueule des deux côtés. Euh... Et puis on va arriver. Je, sais, je vais essayer d'enchaîner. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Est-ce que j'ai le... Non, ça c'était autre chose. Bon, Minsk 2, euh, là il y a l'ancré en jeu de... Donc c'est en 2015. Et Hollande et Merkel qui viennent s'asseoir autour de la table, peut-être en tant que représentant de l'OSCE, je ne sais pas. Euh, ou, ou simplement en tant que, de, en tant que représentant de l'Union européenne. Mais euh, bon, c'est pareil, hein, on parle de cesser le feu. J'ai pas le... Il faudrait que je fasse une recherche là. Je l'avais sorti mais je crois que j'ai... On va voir s'il y a des différences. Alors, Minsk 2, qu'est-ce que ça nous raconte, tout Wikipédia Je regarde si c'est cadré, et je vous enchaîne ça, et puis après on aura terminé. Alors Minsk 2, ça, ça se signe euh, en février 2015. Ukraine, Russie, France, Allemagne euh, se mettent d'accord sur les mesures concernant la guerre du Donbass. Et pour parler, se si tiennent sous l'égide de l'organisation, ben, voilà, c'est exactement ce que je disais. Euh, c'est dans le but de faire respecter un hein, cessez-le-feu. Alors est ce que. non, il n'y a pas grand chose. Voilà, les décisions, je, à mon avis, c'est à peu près les mêmes. c'est le feu à minuit le 15 février 2015, retrait des armes lourdes de chaque côté, ça c'était déjà le cas, vérification des l'existence du feu, c'était déjà le cas, dialogue, c'était déjà le cas, pardon et amnistie, c'était déjà le cas, échange de prisonniers, c'était déjà le cas, convoi humanitaire, c'était déjà le cas, restauration des relations économiques, ça c'est un petit peu nouveau, euh, restauration des frontières de l'Ukraine, ben bah oui, pays sur temps. Euh, retrait des troupes étrangères, c'était déjà le cas. réforme constitutionnelle de l'Ukraine, ça non, c'était pas prévu. gouvernement provisoire à l'Est, c'était pas prévu non plus. Et travail trilatéral, ça, ça veut dire qu'on est dans un on travaille dans la joie et la bonne humeur et, et tout va bien se passer. Ne no, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Bon, en gros, c en, on, on, on voit bien, euh, même si le, le cessez-le-feu a tenu un petit peu, ben c'est un échec puisque ça a repris là en 2021, j'imagine, un truc comme ça, euh, peut-être même avant. Et, et donc, rien n'a été réglé. Et voilà. Donc, ça permet d'éclairer un petit peu sur, sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. On a vu euh, ce qu'était l'Ukraine réellement ce qu'ont été les différents accords de Minsk, ce qu'a été la fin de l'URSS, ce que représentait la CEI, et puis voilà, et puis on a vu au tout début un petit peu le, les raisons pour lesquelles Macron a été élu sans faire campagne et sans avoir de programme. Ben ouais, il était occupé, hein. il était occupé, hein. il essayait de forcer la main hein. à Putin, qu'il a pris pour un imbécile, puisque quatre jours après... Il a envoyé ses troupes en Ukraine, euh, par la Biélorussie, par le, par le front de l'Est. Bon, rien n'a été utile. On ne voit pas quand même accabler Macron. Il a essayé. On voit bien qu'il essaie de, 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 de jouer le, le rôle qu'on qu a bien voulu lui attribuer. Euh, ouais, il, il, a, il a servi le camp de l'Ouest quand même. Hein. Euh, lui, sa, sa, sa part de travail, c'était de maintenir un dialogue, lui et, et Scholz c'était de maintenir le dialogue avec Poutine pendant que euh, que les États-Unis euh, faisaient voter les lois pour débloquer les fonds et, et pour aider mi militairement euh, l'Ukraine, pendant que les autres pays européens accueillaient les réfugiés. Donc chacun avait eu, eu sa part de boulot. Et enfin, pendant que le, la Commission européenne euh, établissait les sanctions, les paquets de sanctions, je crois qu'on en est euh, au cinquième ou au sixième paquet de sanctions, voilà, chacun avait sa part de boulot. Peut-être que le plus respectable, ça a été celui de Macron et de Scholz. Trouver la paix, œuvrer pour la paix. Voilà. Bon, ben bah écoute, si ce que je t'ai dit ne t'a pas plu, je ne sais pas si je vais réussir à le faire, donc je ne vais peut-être pas le faire. Euh, si ce que je t'ai dit ne t'a pas plu. Bah, ce serait bien que tu cliques euh, là, sur un truc comme ça, là. Ou c'est caché derrière Non, je ne sais, sais pas où il est passé. Euh... Bon, mais bah, tant pis, je ne veux pas savoir le mettre. Elle est assez longue déjà, la vidéo. Je sais même pas combien de temps elle dure, mais il va falloir que je fasse un petit peu de coupe au montage, sinon ça va être compliqué. Puisque ce que je t'ai dit, ne t'as pas plu, tu cliques sur tes le. Euh, si ça t'a vraiment pas plu, à côté de taisez-le sous la vidéo, il y a une cloche, tu cliques aussi sur la cloche, comme ça tu ne vois plus jamais. Et sinon, bah tu vas faire un don, comme tout le monde. Hein. Euh, tu vas faire un don, et tu vois que ce bonhomme là qui est là, je vais essayer de l'agrandir comme ça. Voilà, c'est à lui que tu vas faire un don. C'est. Euh, c'est quelqu'un qui est exactement dans les mêmes conditions que moi, donc dès que tu vas le croiser dans la rue, lui ou elle, des fois c'est une femme, des fois c'est un vieux, des fois c'est un jeune, donc euh, il, a, il a des visages différents. Ah ben tu lui glisses une petite pièce dans la pogne, il sera le plus heureux, tu auras fait un don. Et euh, même si j'aime pas la, solu la charité, ben tant que l'État ne s'occupera pas des sans-abri et des, des gens qui meurent de faim, eh ben on est obligé de passer par la, la charité en attendant que la solidarité se, se mette en place de, de façon nationale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ce n'est pas trop long, et puis si c'est trop long, reviens la prochaine fois, j'essaierai de faire plus court. Salut une bande